je présente ici Morgan von Bredan. Et on se retrouve sur Deathmerge! Battle of the Bands! Hein? Pop-up. C'est du génie. Je peux interagir avec un truc ou... Bonjour. Surprise! Ah! Et qu'est-ce qui est arrivé au concert d'Apocalypse? On est où? Eh bien, vous êtes entré dans mon magasin pop-up, bien sûr. Attends, donc, le magasin apparaît quand on est déjà dedans? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime vraiment appuyer ce côté pop-up. C'est incroyable. Ah, oh, c'est gentil. Je vous observe depuis un moment, vous savez. Vous êtes plutôt avancé dans votre voyage. Je pense que vous êtes prêt à recevoir les meilleurs produits de tous les temps. Vous avez de la chance, hein, je suis très sélect concernant mes clients. Si je pense qu'ils ne sont pas dignes de mes biens, eh bien, je n'apparais pas. Oh. Ah, c'est là. Ah, qu'est-ce que je suis content d'avoir filé 10 000 balles à l'autre con à l'épisode précédent. Ça valait le coup. Un bouclier à toutes les barres positives. C'est pas mal. Make it worse. Ouais. 666 chevaux. Oh. Deux mesures de douleur folle. Ah, c'est pour brief. Petit que... Ce... Soigne un allié pour une quantité de vie obscène. Et applique une mesure de super chouchoutage à la barre. Retire tous les effets positifs de la barre ennemie. Ah. C'est un patch. Permet de régénérer de la hype. Oh. Ça permet de se régénérer de la hype aussi vite que quand il est en arrière, même quand il est devant. Sympa. On prend le chance d'obtenir un bit de 6%. Oh. Là, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Puis je suis pauvre. C'est tout. J'ai bit 6. Je pourrais cumuler les deux, je pense. Mais bon, je cumulerai les deux quand je serai en mode... Enfin, pour l'instant, on va se contenter de prendre le niveau supérieur. Les prix sont élevés, mais c'est des super affaires, je vous assure. Je pourrais facilement vendre tous ces produits à 10 fois le prix. Mais en ce qui me concerne, c'est votre destin de posséder ces produits. C'est pour ça que je vous donne la super promo du destin. Ah, c'est gentil. Est-ce que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui vend plus d'une fois le même produit? Fine off. Attends, parce que... Du coup... Ouais, c'est ça, la scène c'est par là. On va pas y aller. Parce que c'est la suite. On va quand même pas aller voir la suite. Ne soyez pas ridicule. Non, je suis sûr que par là, il y a un mec à qui je pourrais mettre ma grôle dans la bouche. Bingo.
encore. Ça fait combien de mecs que je botte la gueule là? 7 sur 7. Et ben c'est bon alors. Maintenant on peut aller voir la suite. Maintenant on peut enfin aller voir le concert de Pokélips. Ça fait tellement bizarre! C'est super smooth! Je sais pas comment ils ont géré cet effet exactement, mais. Ça va, mec? Humain! Quittez ce lieu maudit pour l'éternité! Eh oh, mollo sur les éclaboussures! Hein. Et puis, de toute façon, on a déjà été maudit. Ah, vraiment? Quel groupe? Je sais pas, celui de la baston des groupes? Quoi? Les humains de la baston des groupes? Non! La fin des temps est là! La fin des temps! La fin des temps! C'est quoi le problème de ce gars? Le monde des démons et le monde des humains se sont interloqués, mélangés. Pokélips a tourné le dos aux enseignements. Les démons ne devaient jamais se mêler aux humains. Cela annonce un nouvel âge, un âge de désastre. Mais réjouissez-vous, car le maestro arrivera bientôt. Ah, c'est genre un maelstrom, mais c'est un maestro. C'est quoi un maestro? Maestro saura quoi faire avec vous. Maestro nous montrera la voie. Arrête d'agiter ce bouquin partout avant que tu frappes quelqu'un. De mesure de giga douleur. C'est cool, je peux la voir pour Faye. C'est elle qui pose mes mesures de barre. Ouais, j'ai trouvé une burger pour mettre des mesures de douleur, mais. Faudrait changer sa classe. Chiant. Après. Headbanger, il y a quand même deux modes de well-toned. Pour mon e-book. Ah mais ça met au joueur aussi. Ah non, j'ai changé d'avis, j'en veux pas. Non merci. Ce qui était autrefois un sanctuaire démoniaque est infesté d'humains. Je dois bénir le moindre crevasse de cet endroit pour repousser les humains. D'accord. Ouh, le bateau! Les voilà! Et le purée, regardez-les! Ça doit être le. La fameuse des coups de scène dont il parlait! On a de la chance de pouvoir se battre avec de la musique parce qu'on n'aurait aucune chance contre ce batteur sinon. Et enfin, 3 contre 4, on est quand même à un désavantage! Je ne vois aucun désavantage! Il y en a un qui est squelettique et un autre qui est très musclé. Vous remarquerez que je suis ces deux choses à la fois. Je suis le deux en un. Je suis le shampoing et l'après-shampoing. On n'a pas besoin de quatrième membre. Ouais, rien à redire.
Comment on fait pour les atteindre avec ce gros... toutes ces flammes sur le... entre nous? Alors, on va pas laisser tomber maintenant, on va chercher un... on va trouver un moyen. Ça c'est... oui, non, c'est un ennemi, on peut pas lui parler. Le bateau! Le banjo. Prêt. Hop là. Le roman des boucs. Au revoir. Ah, j'ai de l'annihilation. C'est peut-être un peu excessif. Ah, non, c'est pas excessif. Rempem. Rempem. Hop là. Prêt. Pas mal. Allez, Yann, tu soignes. Il veut pas soigner. Yann, tu soignes. Il veut pas, hein. Il s'est fait arracher la bouche. Il s'est fait arracher le visage. Yann, tu soignes. Il veut pas, hein. Tu soignes. Il veut pas, hein. Fine. Allez, Yann, tu soignes. Il veut pas. Un toast à l'amitié. Ah, oh, c'est trop mignon. Meurs. Brin. Yann, tu soignes. Merci. Et ça met le coup de grâce. Parfait. Oh. Oh. Le meilleur siège de la maison. Des grammatiques massifs. Mais ça te coûte beaucoup de ta propre vie. Mais. Oh non, pas le ballon! Non, pas le ballon! Ah bah, te blâ, toi! Ouais, ouais, il surfe, il surfe. Bah, attendez, où sont vos casques? Ah, va me dégoûter! Ah, c'est donc là qu'il était le troisième. J'avais vraiment pas besoin de filer 10 000 balles. Eh, c'est la gamine. J'ai le droit de monter? Comment je monte? Un peu foireux, mais ok. Elisa Duff! Yeah! Wouh! Ah, salut! Vous avez pas vu mon papa dans le coin? Il s'est fait assommer par un guignol et ils ont dû le sortir. Ouais, il est en sécurité, il est près de l'entrée. Il dit de pas t'inquiéter. Cool! Et toi, ça va? Yeah! Ouais, j'ai le... Je suis au meilleur endroit du concert. Sans blague, c'est vrai que t'es bien là. Ça m'étonne que personne soit venu grimper ici. Ha! Ils ont essayé! Wouah! Wouah!
c'est métal. Oh, la gamine qui a juste tabassé les mecs qui ont essayé de grimper. Bla. Non, pas le voir. C'est très métal et je n'entends rien de ce jeu. Bonjour, t'es un PNJ, t'es un ennemi. Dude. Si vous me permettez l'expression, hein. Mep. Ah, j'ai l'annihilation. Non, toi c'est non, tu t'en vas. Ah, nice. Humiliation, rien que ça. Allez, dégage. Sur une colonne. Hein? Ah, chelou. Je pense que la suite c'est par en haut, donc comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce détour? Bon bah le feu ça brûle alors on va pas y aller. Ça doit être un raccourci pour retourner à l'entrée. Qu'on débloquera quand on aura battu le boss. Ah. Mais avant une bonne sieste, hein? Eh, salut box. Alors Vous le faites pour de vrai? Vous allez débarquer sur la scène et tabasser Apocalypse? C'est dingue. Mais moi je suis avec vous. Ah oui, avant que vous y alliez, je parlais avec Saeva et... Comment ça tu parlais avec Saeva? Genre par téléphone ou tu discutais avec le morceau de carton? On voulait vous montrer à quel point on s'est vraiment amusé avec nos voyages ensemble, malgré tous les hauts et les bas. On sait qu'on pourrait vous aider avec votre gros combat contre Apocalypse. Alors on a rassemblé nos ressources et on vous a acheté un truc spécial. Tenez. Alors, restaure plein de PV à toute l'équipe et renforce toutes les mesures positives. Le pouvoir de l'amitié. Waouh! Ah, c'est trop bien! Ah, j'espère que ça vous aidera. Ça a dû coûter une fortune! Eh bien, disons que l'argent que j'ai eu en achetant tous ces stocks a aidé. À sujet. Vous voulez vous restocker? Ah non, vous êtes plein. Alors, là, faut discuter. Parce que Brief, j'aime bien là en remix, mais... Attends, je pense que... Ah, 66%. Ouh. Ouais, ça bouffe tout ce que t'as. Hein. Non. Non, c'est très gentil, box, mais... je vais garder ce que j'ai.
Salut, Saeva. Merci pour le mode. Allez, on y est. Apocalypse sont juste en dessous. On s'apprête vraiment à sauter à les tabasser là? Ouais! Ok, c'est parti. C'est l'heure de confronter un groupe de démons extrêmement puissants. Tu sais, maintenant qu'on est là, j'hésite. Eh ben moi pas. On est allé trop loin pour s'arrêter maintenant. On peut pas laisser le miracle de l'atelier Mutila être gâché. Et évidemment, si c'était un combat de vérité, bah on serait dans la merde. Mais ce n'est pas un, c'est un combat de musique. Et à ce sujet, bah nous, on a carrément montré notre valeur. Regardez à tout ce qu'on a accompli jusqu'ici. On est clairement les héros. Si on a bien, c'est bien un groupe qui peut réussir ça, c'est nous. Eh bah, dit comme ça. Mais mon hésitation a été annulée par une anti-hésitation. Je vais être admettre. Ouais, je faisais semblant un peu d'avoir confiance depuis que j'ai découvert qu'il faudrait qu'on les affronte. Mais quand je repense à ce qui s'est passé entre ça et. Bon écoutez, plus on reste ici longtemps, plus on va se faire emmerder par nos peurs. Alors, merde. Passer en mode vénère, on y va. Hiya. Hiya. Est-ce que vous allez bien? On adore être ici à... Merde, on est où déjà? C'est comment ça s'appelle cet endroit? Non, c'est pas ça. Ah, peu importe, j'y vais au pif. On est super content d'être... dans le coin. Wouh! Ah, je t'adore, moi aussi je suis du coin. Ouf. Enfin bref, cette pochette de chanson est une vieille favorite de notre 34e album. Peut-être que certains d'entre vous la reconnaîtront. Salut les nazes, aïe. Putain, ils sont grands. Ouah, ils font deux fois notre taille. Sauf lui qui fait quatre fois notre taille. Il fait 4 fois notre hauteur en largeur. Qu'est-ce que... Dégagez notre scène. Non, pas moyen. Tête dedans. Allez, tout le monde recule. Oh, vous allez nous menacer avec des attaques musicales? Vous devez être un des groupes qui est dans le tournoi, hein? Tous ces démons vont m'enculer ma voix. Au secours. Exactement. Et on est ici pour proposer quelques... modifications. Oh, vraiment? Vous avez déjà accepté les termes du tournoi. Vous avez fait un pacte. Et les pactes, c'est sacré. Daimo vous a dû tout vous dire quand vous avez signé, pour s'assurer que vous faisiez une décision informée. Eh ben non, il nous a rien dit du tout, il a rien dit aux platines délicieuses, et il a rien dit à Mutila. Ah, énorme. Pourquoi Daimo sabotagerait notre réputation comme ça? Il a été un associé de confiance pour des années. Il sait que s'il essayait de faire des conneries, on n'hésiterait pas à le soumettre à une punition extrême. Ouais. Aucun démon sain d'esprit ne serait aussi frivole
Avec des informations aussi cruciales que pour celles d'Impact, c'est juste pas comme ça qu'on fait. Et puis qu'est-ce qu'il gagnerait à faire ça? Mais c'est la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'on les balance pas de la scène, là? Ouais, sérieusement. Non, pas concert, là. On a des horaires à respecter. Attendez, attendez, on va pas se presser. Ça y est, j'ai plus de voix. C'est fini. Ils sont un de ces groupes maudits, pas vrai? Je propose qu'on les affronte là, ici, en direct, sur scène. Ça va être un sacré spectacle. Ouais, ça m'est venu à l'esprit aussi. Les grands esprits se rencontrent. Pfff. Tant qu'on oublie le planning, hein. On dirait qu'on va pas offrir aux fans un peu des anciennes obscurités de notre premier album. Eh bien, on est là pour divertir avant tout, alors. Laissons l'audience choisir. Ok, la Poké Légion. C'est comme ça que vous appelez vos fans. Sérieusement. Ok, la Poké Légion. Écoutez un peu. Désolé pour cette interlude, cependant. Le groupe ici est l'un des groupes qui participent à la baston des groupes qui arrivent. Alors donnons quelques bons applaudissements pour s'être fait maudit. C'est plutôt métal. Cependant, ils se sont tombés dessus en pleine performance, montrant clairement qu'ils n'ont aucun respect pour vous tous. Et on va quand même pas les laisser faire. Pas vrai? Oh non, non, non. Alors qui veut nous voir leur donner une bonne leçon, hein? Dans un bon passage à tabac musical, en direct sur scène. Wouh! Les légions ont parlé. Ah, et ben allons-y! Si vous perdez, l'audience pourra apprécier le massacre le plus métal de toute l'histoire, en direct, sur scène! Et si on gagne? Vous gagnerez pas! Pour les platines délicieuses! Yaaah! Nuuuuh! Bruit de cheval. Doute, doute. Ah, et c'est une baston de groupe. Ils se battent un à la fois. Qu'est-ce que je viens de faire? C'était ma pire imitation de cheval. Ah, je vois. Intéressant. Bouclier. Miaou. On va se mettre un petit coup de soin tout de suite avec ta permission. Oui, je suis le cheval, je cheval, le... Non. Je te tabasse. Gros tabassage. Tu bouffes. Ah, échange. Merdier toxique. Ah oui, c'est lui qui veut nous mettre des mesures de con. Bonne chance. On a un bouclier. Twinkle thump, twinkle thump. Brin. On va les boucler. Ah, le soin. Incapacitation. Ah non, il nous a incap... C'est tout. Il est temps de se remettre des protections. Mion.
Twinkle, 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 thump. Dans ta bouche. Oh, bouclier. Même pas mal. Oh. Ah non, ça va en fait. Même pas mal. Wow, wow, effectivement, il va super vite. Oui, bonjour. Oh, ça va. Ah, j'ai de l'annihilation. Meurs. Moi. Extreme. Oh, c'est le bon. Ah, c'est le gros. Bonjour, je voudrais plein de PV, s'il vous plaît. C'est le gros. C'est le soin. Tu casses, hein. Tu casses cette critique. Pas mal. Le si mal. Les bobos. Bah, c'est une hache de l'annihilation. On va essayer de leur mettre des mesures brutales. Ouh. Yes. Maman. C'est là qu'il fait hyper mal, cet enfoiré. Est-ce qu'on va essayer d'agir avant lui? Non. Les strages prêts pour... Oh, mais c'est leur performance. Oh, on est dans la merde. Vite, 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 de la hype, de la hype, de la hype. On remet les books, vite, vite, vite. Tabasse, tabasse, tabasse. Ah, 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 ah. Summer Jam. Brin, brin, brin. Ah. Apocalypse. Pardon? Pardon? Non, non, je suis pas prêt. Non, laisse-moi changer. Wow, 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 wow. Ah, ah, ah. Non, y a pas de toxique qui tienne. Y a rien de toxique qui tienne. Y a rien de toxique qui tienne.
Merde, il va nous remettre du merdier dessus. J'aurais dû protéger mes... Oh non, l'enfoiré. Voilà. Il n'y a pas de merdier qui traîne. Il n'y a pas d'incapacitation qui tienne. Ah, j'ai si mal. Ils sont vaincus ? Ils sont vaincus ! Ouh ! Ah, ça rapportait que dalle d'XP. Et 6666 bops ! Ouh, les pognons ! Ils sont vaincus. On n'a même pas eu l'occasion de faire une performance. Ils nous ont vaincus ? Non, c'est pas possible. Il y a erreur. Oh. On a réussi ? Ah ah, yeah! C'est fini, Apocalypse, vous avez perdu! Si on était dans un combat dans la baston de groupe, c'est ici que vous mourriez! Ce serait super dommage, hein? Il marque un point. Salut! Vous avez tous vu! Tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'ai perdu contre Death Belch! Mais même les puissants Apocalypse ne pouvaient pas leur faire face! C'est qui ce trou de cul? Moi au moins, je les ai tabassés tout seul! Apocalypse était plus nombreux qu'eux et ils ont quand même perdu! Est-ce que ça veut dire que j'ai plus de talent que tout Apocalypse combiné? Oh merde! J'ai plus de voix, c'est terrible. Ça, voilà, ça mérite qu'on ait réfléchi. Qui me hue? Qui me hue? Tout le monde! Tout le monde te hue! Vous allez remettre ces huées dans votre bouche! Oh. On est en train de perdre la foule à cause de ce débile! Ok, Deathbulge. Bien combattu, on se rend. On va modifier le pacte. Et comment? Ah, donc ça va enfin être fini. J'ai hâte de dire les bonnes nouvelles aux platines délicieuses. On a réussi! On a vraiment réussi! Malgré tout ce qu'on s'est pris dans la tronche. La prédiction de maman, c'est vraiment arrivé! Le moment est enfin venu! On est des héros! Ouais! Excellent travail, l'équipe! Je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a réussi aujourd'hui. Qu'on a accompli. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas un autre combat de boss parce que j'ai plus de vie. Aucune idée. C'est l'artefact? C'est le décor? Maelstro? Ah, Maelstro! J'ai pas vu, c'est écrit dessus. Oh. Eh? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est Maelstro. Ah, genre ce machin lui-même, c'est Maelstro. Maelstro, ce truc existe. Ah, quel immense talent musical. Cela m'émeut. Très impressionnant.
Et là, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Daimo! C'est Daimo? Qui? Seigneur Maestro, je suis ravi que vous soyez éveillé à nouveau, plus tôt que prévu. Je suis Daimo, l'organisateur du centième baston des groupes. Pour prévoir votre... En vue de votre avènement prématuré, j'ai l'honneur de vous inviter à me rejoindre en tant qu'invité spécial pour le tournoi de la semaine prochaine. Enfin, en fin de semaine. Oh! Alors la tradition se poursuit. Très bien. Excellent. J'accepte avec plaisir. Après une telle sieste, j'ai hâte de m'y remettre. Daimo, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aidé à éveiller Maestro, voilà ce qui se passe. Éveiller Maestro requiert une immense concentration d'énergie musicale explosive. Et une telle quantité peut être générée que par, disons, une intense baston entre deux groupes particulièrement impressionnants. À la base, j'avais prévu que Maestro soit éveillé par le concert de BOTB après celui-là. C'est sûr que l'intensité de grand final du tournoi aura pu accomplir cet éveil. Mais s'imaginer qu'un groupe s'introduirait en plein concert de Pokélypse et générerait assez de styles de musique pour éveiller Maestro en avance. C'est... c'est bien au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Et maintenant, Maestro va pouvoir me rejoindre dans la salle des commentateurs. Merci à vous, Death Bulge. Ça me fait très plaisir. Daimo, comme c'est retort de ta part. C'est brillant. Daimo, on te faisait confiance. Vous le méritez. Après avoir paradé Maestro comme un vulgaire décor pendant des années. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Quoi qu'il en soit, j'ai une émission de télé à préparer. A plus. Quoi? Ce groupe m'a baladé ça et là comme un vulgaire décor? Vous ne vous rendez pas compte que vous étiez réel. Et comment est-ce qu'on était censé savoir qu'un énorme poisson dans une brique était en réalité un dieu endormi? Un poisson dans une brique? Un poisson dans une brique? Quelle audace! Quel manque de respect! Meurs! Ah, j'imagine que c'est plutôt mourir! Mais y a pas de conjugaison en anglais. Attendez! Wow. Mon dieu! Il vient de tous les tuer, là, comme ça. Donnez-vous un peu de crédit, Death Bulge. Vous les aviez affaiblis? N'importe qui aurait pu les achever après un combat aussi balèze. J'ai entendu. Adieu, Kakouak. Alors, tu doutes de mon pouvoir? Tu as besoin de me voir oblitérer quelqu'un qui n'a pas été affaibli. Ça peut s'arranger. Kakouak! Non,
il méritait pas ça. Il est vivant. Quoi? C'est impossible. Pas point. Ah! Alors après toute cette hype à propos de pouvoir divin, rien de plus qu'un petit chatouillement? Non. Impossible. Meurs. Non, cette fois c'est meurs au singulier, je suis sûr. Brin. Ah, j'arrive pas à croire. Le tout puissant maestro peut à peine me l'égratigner. Il est peut-être temps que je t'égratigne mon tour. Pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Et bah alors, t'appelles ça du groove, papy? J'arrive à peine à danser. J'ai changé de voix, au secours. Arrête! Ah! Ah, c'est lui qui a tout pris dans la gueule! Hatch! Non! Oh! Waouh! Ce rire démoniaque était nul, j'ai plus de voix. Alors en fait, tu avais un bouclier. Pendant un instant, je commençais à m'inquiéter. Moi, un dieu immortel, inquiété de mes pouvoirs. Vous arrivez à y croire? Quoi? Non, pas le pingouin! Non, c'est pas possible! Ah, je suis désolé! Oh, il ira bien. Ce n'est rien que bon sommeil éternel ne peut pas réparer. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai fait ça? Je vais te sortir de là. J'ai mal à la gorge. Eh bien, ce tournoi va être plein de rebondissements. J'ai hâte de vous voir en action, Deathbulge. Ouah, Baby Bass, mais c'est Cthulhu. Alors, c'est tout? Après tout ça, on va quand même devoir se taper ce tournoi? On dirait bien. Mais c'est pas juste! On a gagné! C'est débile! Peut-être qu'on peut penser à quelque chose. Pour abattre un dieu immortel? Ouais, bon, les chances sont pas en notre faveur, mais... Attends, il y a peut-être un moyen. Peut-être. Non. Rona, t'es encore là-haut? Tu sais ce que c'était, ce tremblement de terre? Eh bien, par où commencer? Un poisson démoniaque antique qui chante... Pardon, un dieu poisson démoniaque antique qui chante appelé Maelstro s'est éveillé au sein de Helblivion. Il vient de buter plein de gens sur scène. Quoi? Oh, attends, ça veut dire que Deathbulge se sont fait tuer? Eh ben...
Vu qu'ils sont morts, notre plan origine de juste gagner le tournoi est peut-être jouable? Non, ils sont encore en vie. Quoi, sérieusement? Ah, mais c'est de mieux en mieux, hein? Ah, peut-être que peut-être... Et donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je fasse une annonce! Attends ton tour, grande gueule! Dégage! Renard, je viens de trouver un truc de dingue! Il faut que tu descendes voir ça, tout de suite! Truc de dingue. Tu crois qu'ils vont se faire des bisous? S'il continue de taper dans ses canettes, qui sait? Qu'est-ce qui se passe? La vois par toi-même? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fameuse équipe BOTB. Et après qu'il a fini de gueuler, j'étais là genre... Mec, si t'as un problème... Ah, traduction jeu de mots, au secours. Mec, si t'as une dent contre moi, bah, t'as qu'à la donner la petite souris. Ah, nice. J'ai pas mieux. Ah, c'était super réplique. C'était vraiment un super plan. C'était vachement mieux que de traîner avec les autres à attendre des ordres. Ah ouais. Et puis c'est pas comme s'ils avaient besoin de nous. Oh, on serait juste dans le chemin. On a déjà fait notre part. Ah ouais. Comment ils sont entrés ici? C'est qui ces gens? T'as pas remarqué leur tenue? C'est l'équipe officielle de la bataille des groupes! Ah oui, BOTB, Battle of the Bands. J'en ai pas tiqué. Eh, de ce que j'ai entendu, ils sont entrés depuis l'autre côté! Sérieusement? Donc, sans savoir, ils ont fait un tunnel entre notre labo et l'arène? Il semblerait qu'entre toutes ces déconvenues, on a enfin un peu de chance. Il était temps. Je ne suis pas sûr de comment on peut tirer avantage de cette situation, mais pour l'instant, attendons de voir ce qu'ils disent. Plus on a d'infos à utiliser contre ces deux-là, mieux on sera. Ouais. Eh ben, s'il n'y a rien d'autre, je vais aller faire un tour. De m'aérer les idées. J'en reviens. Ok. Et donc, vu qu'on est tout seul, tu veux me passer dessus ou quoi? Et se sont donc fait des bisous. Ah! Ouais, c'est Yann, il fait peur. Ah, je pensais qu'on avait vraiment réussi. On les a battus, on a gagné. Ah, pourquoi? On est si près du but. Ouais, ça fait chier. Ça m'embête de dire ça, mais... Peut-être qu'il serait temps de... d'arrêter pour aujourd'hui. On a passé tout ce temps à jouer les héros et tout ce qu'on a réussi à faire, c'est éveiller un dieu très ancien en avance. Tout le monde imagine probablement qu'on est des méchants. Attendez, j'ai une idée. Maestro est peut-être gros, mais vous savez qui est encore plus gros? Claire.
Non, mais tu vas pas demander à Claire de tabasser. Je suis sûr que Claire va pouvoir nous aider. Elle est ancienne, comme Maestro. Et puis elle nous doit une faveur après le bon nettoyage de cheveux qu'on lui a vaillamment administré. De quoi tu parles? Ah, t'y étais pas. Ouais, c'est une bonne idée. Allons voir Claire. Ok, je reste avec vous pour l'instant. Mais uniquement à cause de ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez tourné le dos, hein. Mais si rendre Claire ne mène à rien, je me casse. D'accord. Claire, elle existe? Claire, c'est pas un prénom super commun? Peut-être pas dans cet univers, mais... Salut, Naz. Ah, salut. Je dois admettre... Badpocalypse, c'est balèze. Dommage qu'un démon encore plus puissant ait pris leur place, hein. Je t'avais dit que c'était une perte de temps. Vous avez battu Apocalypse, waouh! Enfin, croyez pas que j'oublie ce mensonge que vous m'avez dit. Vous m'avez vraiment donné l'air con en face de mes collègues. Destructeur de vérité, vous! Voilà, tout de suite. Et machine, on peut lui parler? Elle est quelque part? Elle se cache. Bon, elle se cache. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. Ça fait déjà beaucoup pour un seul épisode. Ouh! Quel rebondissement! Donc je... Hein? Ah oui. Laissez-moi sortir! Ah. Ah non, 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 non! On s'arrête là. On s'arrête là. Au revoir à tous et à la prochaine. Imaginez que Yann flex.